Donc, on est maintenant rendu temps de l'année que je vous présente votre évaluation sommative. Je crois qu'on est dans un bon temps de le faire. On a travaillé ou j'ai travaillé en collaboration avec l'enseignant du groupe anglais. Donc, c'est pas quelque chose qui est limité à nous. Je le dis souvent, tout ce qu'on fait, c'est en collaboration surtout avec les autres groupes. Donc, en raison de cette situation, on a décidé de changer le modèle de cette évaluation cette année. Donc, on est un peu, c'est évidemment les circonstances font en sorte que c'est ceci. Toutefois, on n'est pas allé inventer quelque chose qui est complètement complexe, je ne crois pas. Puis c'est vraiment, ça a été tiré de votre manuel. Donc, si vous voulez aller voir la page 313 de votre manuel, si vous en avez un, il n'y a pas de problème, je vais vous le montrer dans un instant. Vous allez pouvoir trouver un peu en gros ceci. On l'a modifié un peu pour pouvoir vous aider, mais le voici. Donc, essentiellement, ce qu'on a fait, c'est que on a fait. Oups, lui-là, je l'aime un peu moins. On regarde avec lui. Donc, essentiellement, c'est tiré de la page 213. Donc, comment verrait-on? Oups. Non, j'en ai un ici. Donc, comment devrait-on souligner le 200e anniversaire du Canada en 2067? Les choses qu'on a parlé en salle de classe parlaient beaucoup des améliorations surtout, puis comment est-ce qu'on est arrivé d'un endroit pour en arriver à un autre. Donc, comment devrions-nous célébrer le bicentenaire du Canada? C'est vraiment de votre manuel. Il n'y aura peut-être pas de meilleure façon que de contribuer à créer un Canada qui soit aussi vivable et durable. L'année 2067 semble loin. Dans l'avenir, quel âge aurez-vous? Okay. Ça serait intéressant de voir, mais cet objectif est complexe et difficile à atteindre. Nous aurons besoin d'au moins 50 ans pour effectuer les changements nécessaires. Donc là, on essaie de se projeter dans l'avenir. Avec tout ce que vous connaissez aujourd'hui, puis un peu de notre passé, qu'est-ce qu'on peut faire pour en arriver un peu plus loin? Donc, si vous cliquez ici, okay, j'ai fait les photocopies des différentes des pages 313 et 314, je crois. Donc, l'information est là. Elle n'est pas toute là, mais certaines directives y sont. Donc, allez voir ça, c'est pour tout le monde. Donc, je l'ai partagé ceux qui l'ont besoin. Okay? Alors, on va juste poursuivre ici. Donc, ça, ces projections-là se trouvent aussi dans le manuel. Donc, c'est les Nations Unies qui projettent un peu ce que le Canada va ressembler. Donc, comme vous pouvez voir sur le graphique, il est prévu que la population du Canada atteindra 55 millions de personnes d'ici 2067. Est-ce qu'on est prêt à ajouter 15 millions de personnes dans une soixantaine d'années. Okay? Qu'est-ce que ceci va de l'air? En abordant ensemble les défis décrits ci-dessous, nous pouvons tous trouver des réponses. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être assez intéressant de voir. Alors, la tâche, okay, je vais l'expliquer. Donc, tâche, chaque étudiant choisira trois des défis identifiés ici. Okay? C'est-à-dire, l'objectif, c'est allier une qualité de vie élevée à une meilleure durabilité de l'environnement mondial. Donc, l'objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut avoir une meilleure qualité de vie, une qualité de vie élevée même, et être durable en même temps. Mais voici les défis qui s'imposent ici. Okay? Tu vas devoir en choisir trois. Trois défis ici. Premier défi, si tu décides de le choisir, gérer les changements démographiques, assurer une gestion efficace des ressources renouvelables et non renouvelables, gérer l'économie afin d'assurer des emplois et de la richesse, prendre ses responsabilités en tant que membre de la communauté mondiale, réduire notre impact sur l'environnement, et 6, assurer une qualité de vie dans toutes les communautés canadiennes. Tu dois en choisir trois. Pas les 6, pas 5, t'en choisis trois. Individuels, bien évidemment. Donc ici, tu vas devoir choisir trois défis et essayer de voir si je peux atteindre l'objectif fixé avec les trois défis. Okay? Je l'explique, on va passer étape par étape. Regardez les 6 défis énumérés. OK, je vais juste enlever ceci. Les 6 défis énumérés. Réfléchissez à la façon dont les Canadiens pourraient relever ces défis à l'avenir et en choisissant 3. OK, on commence avec ceci. Ensuite, formule une grande question pour chacune de vos défis qui se lie à l'objectif global. Tu vas prendre tes 3 défis, remue-ménage, fais la façon que tu veux, mais tu en arrives avec une grande question. Quelque chose qu'on peut se poser. On a fait certains travaux qui ressemblaient un peu à ceci, donc ça va être intéressant de voir la façon dont vous décidez d'aborder vos grandes questions. Trois, commencez avec les connaissances que vous possédez déjà, c'est-à-dire établir des liens avec le contenu des unités. Ça serait peut-être à commencer. Tenez compte des tendances liées à vos défis et décidez si elles sont utiles ou non. OK?
J'ai mon défi. Comment est-ce que je peux aligner ceci avec l'élément que je connais déjà pour en aboutir à mon objectif, okay, principal? 4. Poursuivre des recherches supplémentaires aux besoins. Concentrez-vous sur la combinaison d'un haut niveau de qualité de vie avec une durabilité mondiale accrue. Okay? Tu fais ta recherche. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Pensez peut-être avec votre projet de recherche que vous avez fait dans les ressources naturelles. Pensez aux pyramides de population. Ce sont tous des éléments assez intéressants. 5. Tenez compte des différents points de vue et croyances concernant vos défis. Par exemple, croyances des peuples autochtones. Okay? Est-ce qu'on doit nuire peut-être à leur qualité de vie pour être plus durable? Okay? Vous devrez peut-être résoudre des points de vue contradictoires. Donc, quelque chose qui est contradictoire avec aujourd'hui, puis avec quelque chose qui est dans l'avenir. N'oubliez pas que la solution à un défi ne devrait pas empêcher de relever un autre défi. Par exemple, certains plans économiques ne seraient pas acceptables s'ils compromettent les préoccupations mondiales environnementales. Okay? Est-ce qu'on va continuer avec la construction d'une pipeline pour avoir beaucoup plus d'argent, mais on veut pas non plus nuire à l'environnement? Est-ce qu'une solution ou une entente possible? 7. Identifier les défis qui contribuent à l'objectif global viable de la viabilité et de durabilité maximale. 8. Réfléchissez au rôle de la population, des gouvernements et des entreprises doivent jouer pour trouver des solutions à ces questions. Quel rôle pourriez-vous jouer personnellement? Qu'est-ce que tu peux apporter? Okay? Et 9. Dans un discours articulé, décrit ci-dessus, présentez vos solutions. C'est essentiellement un pitch que tu essaies de faire. Tu es quelqu'un qui, je sais pas moi, qui travaille dans une industrie, puis moi, je suis le gouvernement, et tu essaies de me faire un pitch pour dire, si on veut, mon objectif, c'est de présenter ceci au peuple canadien. OK? Oups. C'est évidemment l'objectif général. Puis toi, tu es une entreprise, tu veux montrer, pour en aboutir à ceci, voici ce que je pitch essentiellement en suivant ces étapes. Gardez toujours à l'esprit l'objectif global de la tâche pendant cette mission. OK? Pensez toujours à l'objectif global. Est-ce que c'est pour améliorer une qualité de vie et être durable en même temps? Étape à suivre, OK? Je ne veux pas trop passer à travers de ceci parce que ça peut être un peu long et redondant, mais je veux juste passer lire ceci. Étape à suivre. La tâche sera divisée en 3 étapes. Chaque étape a sa propre échéance. Respecte-les car ils contribueront à la note finale. À la fin des étapes 1 et 2, vous aurez un enregistrement de 5 minutes avec l'enseignant pour discuter de votre statut actuel. Ça, on peut même le mettre à 10. Aucun problème avec 10. Bon, voici les attentes et les échéances. Donc, un peu plus tard, on va pouvoir mettre c'est quand ceci va avoir lieu, mais pensez à 2 semaines à partir d'aujourd'hui, puis ici 5 semaines à partir d'aujourd'hui, puis ensuite 7 semaines. OK? Suivez les étapes parce qu'on va passer à travers de ceci ensemble et au fur et à mesure. OK? Voici ce qu'un pitch devrait ressembler essentiellement. OK? Vous avez 30 secondes pour présenter, courte introduction, présenter c'est quoi vos défis liés à l'objectif. 2 à 3, 2 à 3, 2 à 3, 3 fois. OK? Grande question, grande question, grande question aux 3 défis. Puis ensuite, tu reprends. OK? Date de remise, c'est encore à déterminer. Il reste à voir ce qu'on décide de faire avec les examens aussi, parce que peut-être ceci pour avoir une note finale sur ton examen, ou sera ta note finale, ou ça pourrait être la note finale ou en partie. Donc, pas encore décidé, on n'a pas encore confirmé, mais attendez-vous que ça soit milieu à la fin mai. OK? Par la suite, okay, vous allez avoir un Flipgrid à répondre. Okay. Allez répondre ceci. Je pense que ça va vous aider à peut-être mieux comprendre et à répondre à quelques-unes de vos questions. Le Flipgrid se trouve dans Edsby. Okay. Si vous avez des questions, allez voir le Flipgrid, vous allez peut-être mieux comprendre là. Merci.